Après ces trois jours tragiques que nous venons de vivre, qui ont débuté avec la tuerie de Charlie Hebdo et qui se sont terminés hier soir par la mort de quatre otages clients d'un magasin cachère, il est important aujourd'hui d'être rassemblés à la mairie, notre maison commune. Car ensemble, nous sommes plus forts et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons faire reculer la barbarie et défendre nos valeurs communes. Et c'est important aussi de partager notre chagrin, notre tristesse et aussi notre fureur. Avec la tuerie à Charlie Hebdo, ce qui a été attaqué, c'est la liberté d'expression et donc la démocratie. Et aussi cette idée qui est au cœur de nos valeurs, à savoir que nous voulons et nous pouvons tous vivre ensemble. Cette idée que tout le monde a sa place, d'où qu'il vienne. Cette idée que personne ne se suffit à lui-même, mais que nous faisons tous partie d'une grande famille. On appelle ça les valeurs de la République. C'est cela que les assassins veulent réduire à néant. Ils veulent nous faire entrer dans la terreur. Ils veulent nous convaincre que chacun est notre ennemi et que nous sommes tous des menaces. Ils veulent que l'on traque notre drapeau pour regarder les couleurs de peau, que l'on traque nos cartes d'identité pour mieux délimiter nos amis de nos ennemis. Ils veulent que l'on ait peur, que l'on hésite à écrire, qu'on hésite à dessiner, que l'on refuse de penser. Ils veulent en fait nous convertir à une idée qu'a connue l'humanité, la barbarie. C'est cela que nous devons refuser. Alors ne tombons pas dans leur piège. Nous devons lutter contre notre propre lâcheté qui souvent nous fait renoncer peu à peu à nos idéaux. Nous devons refuser l'esprit de division qui nous rend chaque jour plus petits et plus étroits. Nous devons dire la liberté avec mille fois plus de vigueur. Nous devons croire plus que jamais à la tolérance, à la laïcité, au vivre ensemble. Nous devons refuser tous les amalgames et au contraire affirmer que c'est la diversité qui fait notre richesse, et notamment ici à Ivry, ville qui est fière d'accueillir son sol des citoyens venant d'origines très diverses, des citoyens qui ont des religions différentes et qui pour beaucoup n'en ont pas. Ne croyons pas qu'après ces meurtres, nous pouvons continuer comme avant. Ne croyons pas que nous pourrons utiliser les mêmes mots et ressasser les mêmes débats. Nous traversons une mise à l'épreuve comme jamais nous n'aurions imaginé qu'elle ait pu exister. Elle appelle à un sursaut pour dire tous ensemble notre refus de la violence et notre passion infinie de la démocratie, notre refus de l'intégrisme religieux, du racisme et de la violence. Nous brandirons notre liberté, notre tolérance, notre antiracisme, notre diversité, notre démocratie. Et à chaque fois que tous ces meurtriers, ces assassins, ces criminels viendront nous attaquer, nous le dirons toujours plus fort et toujours plus nombreux, et toujours ensemble, et toujours debout.